Bonjour, madame. Bonjour, Aléa. Oui. Assieds-toi, j'aimerais te parler. Aléa, quel âge as-tu? 28. Pourquoi? 28 ans. Mais tout ce que tu sais faire, c'est de manger, aller dans ta chambre et dormir, et avoir une mauvaise estime de toi. Regarde-toi, tu viens de l'extérieur, de la rue, en mangeant du pain. Aléa, je ne reviens pas de la rue. Et dis-moi, que suis-je censé faire d'autre? À 28 ans, tu es censé être marié. Écoute, ce n'est pas comme si je m'en inquiète et me soucie de toi. C'est juste que dans la famille de ton père, la grande sœur est censée se marier avant la petite sœur. Et si tu continues à rester célibataire, ainsi tu vas certainement affecter la vie de ma fille. Anaya? Oui! Anaya a-t-elle l'air d'une personne qui veut se marier? Anaya? Quel homme va l'approcher? Aléa, regarde-toi, Aléa. Aucun homme ayant tous ses sens ne viendrait te prendre toi. Une fille avec si peu d'estime, soit son épouse. J'ai un homme. Oh oui, m'aime. Oh oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Mais je parle d'un homme romantique, Aléa. Bien sûr, je viens de dire que j'ai un mec. Vraiment? Et il m'aime. Bien. Alors, je veux le voir d'ici le week-end. Ah, ok. Madame Garba, je suis sous le même toit que toi. Alors, pourquoi cet appel? Maman, je conduis. Est-ce que tu peux faire sa cour? J'ai une information très importante à vous passer. Crache dans le morceau. On doit attendre votre petit frère. C'est la famille. Bien, j'irai tout droit au but. Je vous veux tous à la maison le week-end. Mais je ne suis pas au Nigeria. Alors, je te veux au Nigeria. Tu sais que ce n'est pas possible. Il y a un truc que vous oubliez tous. Et c'est le fait que je dois confier l'entreprise à l'un de vous. Ok. Je serai au Nigeria ce week-end. Bien. Anaya, je t'attends aussi. Hé, ma puce. Et là, ça ne va pas. J'ai un gros problème. Hein? Lequel? Ne me dis pas que c'est encore ta belle-mère. Bien sûr que c'est elle. C'est bien elle. Elle s'est mise à parler du fait que je sois célibataire. Pour couper court l'histoire, je lui ai dit que j'ai un mec. Oh, tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Et maintenant, elle dit que je dois l'amener ici ce week-end. Puisque tu lui as dit que t'as un mec, alors amène-le vers elle. Et là, on sait toutes qu'il n'y a aucun mec nulle part. Tu le sais bien. Écoute, le truc, c'est qu'elle veut confier la gestion de la société à l'un d'entre nous. Et je ne veux pas qu'elle utilise ça contre moi ou autre chose. Puce, que t'es un mec ou pas, nous savons tous que cette femme gère cette entreprise pour sa propre fille. Cette société me revient de droit. Écoute, laissons tomber ce sujet, ok, ma chère. Et au sujet de l'homme, je vais engager quelqu'un pour toi. Fais-moi confiance. Et là, c'est une idée fantastique. Je n'y avais pas pensé. Bien sûr, comment pouvais-tu? Quand ce n'est que la nourriture qui t'importe. Arrête. Merci.
Ta Anaya. Bienvenue. Tata Anaya, bienvenue. Tu m'as manqué. Ouais, ça fait longtemps. Tu as l'air vraiment. Merci, comment tu vas? Je vais bien. Super. Tu es partie et tu nous as oubliés. Tu as même oublié la maison de ton papa. Bienvenue. Merci. Comment ça va ici? Bien. Hey, bienvenue. Bon retour. Merci. Tu m'as trop manqué. Salut, sœurette. Demi-sœur. Salut. Maman, allez, calme-toi. Allez, viens, entre ici. Allez, calme-toi. Qu'est-ce que c'est? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Anaya, regarde-toi très bien. Hein? Tu n'es même pas habillée comme une femme. Maman, c'est normal, c'est le but. Je ne veux pas ressembler à une dame. Pourquoi voudrais-je le faire? Anaya, maman, veux-tu me faire honte? Hein? Tu sais que tu es mon seul enfant, veux-tu que les gens se moquent de moi? Cesse de traumatiser les choses, hein? Tout le monde sait que je suis une artiste, une rappeuse précisément. Et c'est comme ça que les rappeuses s'habillent. Une rappeuse? Oui, maman. Anaya, ton père a laissé une grande entreprise pour que tu la diriges. Et t'es en train de me dire que tu veux être rappeuse? Ok, maman, écoute ça. Donne-moi un beat. Yo, maman, je veux être une rappeuse, même au son des mitrailleuses. Je n'ai pas une voix rocailleuse. Anaya, c'est du lourd. C'est du lourd, maman. T'as vu ça? Si je trouve un bon producteur, on fera une super vidéo de malade. Écoute, je serai célèbre dans le monde entier. Anaya. Maman, tu vois ça? Maman, peux-tu voir la vision? Anaya, retrouve-moi en bas. Monsieur Hassan est là-haut. Bienvenue. Qu'est-ce qu'on est bien chez soi? Pas mal du tout. Bienvenue, notre femme étrangère. Salut, Madame Garba. Tu es là, bienvenue. Merci, Madame. Hey, Anaya. Salut, Hassan. Anaya, je te présente ma meuf, Olivia. Salut, Olivia. Tu es belle et fausse. Tu dois être la Cardi B de bas étage dont Hassan m'a parlé. Vas-tu la fermer? Olivia. Ouais, bébé. Je te présente ma belle-mère, Madame Garba. Oh, c'est évident, la belle-mère. Celle qui a évolué de maîtresse à épouse. Oui, celle qui a la place que tu n'auras jamais. Je pense que nous devons aller dans notre chambre. C'est qu'on a fait un long voyage. Alia, je te présente ma meuf Olivia. Salut. Salut. C'est tout non, c'est stylé, chérie. Est-ce qu'elle vient de... Je comprends maintenant. Madame Garba. Oui, ma chérie. De grâce. Peu importe la réunion, peut-on la faire immédiatement? Parce que je ne supporte pas cette femme. On fera la réunion quand tu amèneras ton homme à la maison. D'accord, ok. Il sera ici à la première heure demain. Bien. Alia a un mec. C'est ce qu'elle a dit. Wow, Alia, un mec. Attendons jusqu'à demain. Peux-tu changer la chaîne, s'il te plaît?
je connais ce mec. Tu connais cet homme? Mais c'est un musicien. Salut tout le monde. Lui, c'est Jaden. Jaden est l'amour de ma vie. Je voilà. vous connais. Jay, c'est ça? Ouais, merci, merci. C'est super de vous rencontrer, enfin. Et... Alia m'a dit de belles choses sur vous. Oui, c'est vrai. En tout cas, Jaden, bienvenue. Merci. Prends place. Merci. Merci. Merci, Funke. Jaden, comment est-ce que t'as fini avec Alia? Désolée. Pardon? Ouais, je comprends, je sais que l'amour est aveugle, mais je ne pensais pas que c'était aussi grave. Désolée, en quoi mon amour t'affecte-t-il? Jaden, même. Et je l'aime aussi. C'est compréhensible que tu l'aimes, tu sais, mais... Je veux dire, tout le monde aime les bonnes choses, mais je croyais que les bonnes choses étaient censées aimer les bonnes choses, mais là... Bien dit, bébé. Ouais, je sais, je suis folle. Oh, dernière nouvelle. Tu n'es qu'une visiteuse dans cette maison. De quel droit te permets-tu de questionner un autre visiteur? Je suis juste curieuse, madame. Vous savez, je suis curieuse. Pardonne-lui. C'est pas grave. Alors, Jaden, où as-tu rencontré Alia? Désolée. Au gym. Wow. Gym? Alia n'est jamais allée au gym. Mais si, oui. Tu étais en voyage d'affaires. Ah oui. Oui. Ok. Je crois que tu devrais y aller plus souvent. Jaden doit déjà partir pour pas se retrouver dans les embouteillages. Non, mais je veux qu'il reste. Non. Pardon. Il doit être. Je vais attendre. Ah, bien sûr. Ce n'est pas du tout un problème. C'est super. C'est Madame super. Garba. C'est vraiment super. Dis-moi, s'il te plaît, pouvons-nous aller droit au but? Oui. La dernière volonté de ton père avant qu'il ne meure était que je confie la gestion de la société au plus méritant. Au plus méritant. Et pour que je prenne cette décision, il va me falloir un peu de temps. Et combien de temps te faut-il? À peu près un mois. Un mois? Bébé. Bébé, tu dois te calmer. Bébé, comment veux-tu que je me calme? Tu l'as entendu, elle a dit tout un mois. Alors, on doit attendre un mois. Souviens-toi combien tu as attendu cette aubaine. Je suis le seul enfant légitime de mon père. Ou peut-être la première. Écoute. Mon père et ma mère furent mariés pendant des années. Et ça nous a pris des années pour découvrir que mon père a eu un enfant avec son ex-maîtresse. Hazan est entré dans nos vies et boum, j'avais un demi-frère. Si elle veut que tu coopères avec elle, alors fais-le. Arrête de faire l'enfant. Mais ce n'est pas ça le problème. Il ne doit même pas y avoir de compétition pour commencer. Je suis le seul et unique fils du défunt Chief Garba et cette société est à moi. Tu dois te calmer. S'il te plaît. Et comme si ça ne suffisait pas, mon père a eu une liaison de laquelle est née Anaya. Puis ma mère est morte et mon père a épousé la mère d'Anaya. Bon, pense-y, Jaden. Pense-y bien. Qui mérite la société? Eh ben... Je sais pas. Parce que la seule chose à laquelle je pense en ce moment, c'est comment sortir d'ici. C'est maintenant que ton cerveau y pense. Quand tu acceptais le deal, pensais-tu à ça? Eh bien, j'essayais juste de rendre ce truc réel.
Bon, maintenant que tu as accepté de rester, comment? Comptes-tu faire en sorte que cette comédie marche? On peut trouver une solution à cela. Jaden, quel que soit ton nom, je me fiche pas mal que tu sois une célébrité ou populaire. Eh bien, si ça ne marche pas, tu devras me rembourser. Attends. Rembourser? Mais pourquoi? C'est quoi ce genre de question? Ne t'ai-je pas payé pour ce job? Un job? Qui sait payer qui? Moi? Écoute, je comprends rien du tout à tout cela, ok? J'ai décidé d'aider quand Ella m'a raconté l'histoire. D'accord? Personne ne m'a payé pour ça. J'ai donné à Ella 300 000 naira. Eh bien, j'ai rien reçu de sa part. Alors, comment est-ce Mais j'ai pris un congé au boulot, ok? Et quand elle m'a dit qu'elle avait besoin de mon aide, j'ai accepté d'aider. Et qui es-tu pour elle? Juste un ami. Pour ton information, j'ai payé pour tes services. Donc, si tu n'as pas eu l'argent, ce n'est pas de ma faute. J'ai payé moi. Combien? Et en conclusion, on a besoin de règles bien précises pour que ça fonctionne. Je les écrirai avant la fin de la journée. Jay, d'accord. Allô, Desmond. Ouais, ça gaz? Non, ça n'a rien à voir avec le boulot. Ouais, tu sais que je suis en congé, pas de stress. Ok, écoute, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Ouais, j'ai besoin de ta faveur. Juste quelques t-shirts et des chaussures. Ouais. T'inquiète, je t'enverrai l'adresse. Je vais bien, rien de grave. Ok. Petite madame, te fâche pas, je t'en prie. Je veux te demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai juste découvert que j'ai deux talents. Quels sont ces talents? Chanter et danser. Mais c'est quoi? Petite madame, c'est sérieux. Je te dis cela pour que si tu perçus, tu me fais percer aussi. Ok. Je t'écoute chanter. Regarde. Yami, je suis née. J'ai tout. J'ai envie de chanter. Elle est partie. Alors que je voulais aider sa carrière à décoller et dire qu'elle ne sait même pas rapper. Hein? Si elle me laissait rapper, j'aurais mis une à deux couleurs dedans. Et tant pis pour elle. Cardi B de bas étage. Voici les règles qui régissent notre contrat. Contrat? Écoute, Alia, je t'ai dit que c'est pas un contrat. Je veux dire, c'est comme une œuvre de charité. Peu importe, voici mes règles. Pardon. Règle numéro 1. Il y aura une démarcation sur le lit. Règle numéro 2. Tu ne parles pas tant que je ne te l'ai pas dit, surtout quand les membres de ma famille sont présents. Règle numéro 3. Tu ne dois pas tomber amoureux de
Moi. Attends, mais voyons, pourquoi? Hein? Alia, comment peux-tu croire que je puisse tomber amoureux de toi? J'ai dit ce que j'ai dit. Et c'est comme une claque sur mon visage. Tu sais, j'aurais compris si tu m'avais dit que je ne dois pas tomber amoureux de la femme de ton frère, de ta sœur, ou même de la bonne. Mais pas toi quand même. Écoute, tu n'as rien à craindre, ok? Parce que je ne suis même pas attiré par des filles minces. Mon Dieu. La 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 salut. La. Salut. Bonjour. Bonjour. Je suis pas sûr qu'on se soit bien présenté. Ah, je te connais, non? Jason, la superstar. Hé hé! T'es mon mari de la télévision. Ha! Très contente de te voir dans cette maison. Ah, Funke, c'est mon nom. Ravi de te rencontrer. Tu peux lâcher ma main maintenant. Eh oui, désolée. Je ne sais pas si tu es la caméra. Et un selfie. Ouais, ouais, d'accord. D'accord. Ah, merci. Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe ici? Regarde-la, ma vieille. Je vois que t'as les yeux sur ce mec. Sache aussi que je garde un œil sur toi. Toujours à vouloir des bonnes choses, n'importe quoi. Gna, gna, gna. Ah, regardez, sorcière, t'es une sorcière. Ah, comment peut-elle se mêler des affaires qui ne la regardent pas? J'étais à l'œil, moi aussi. N'importe quoi. Je chanterai dans tous les bleds du monde. Et je me ferai un merce de thunes. Je chanterai dans tous les bleds du monde. Et alors, je me ferai un merce de thunes. Je chanterai dans tous les bleds du monde. Et je me ferai un merce de thunes. Eminem n'est rien à côté de moi. Je suis une bombe du micro. Une grande rappeuse. Funke, tu ne donnes pas le plat d'Alia? Alia. Merci, ma chère. Ça va? Excusez-moi, Madame Garda. Oui, ma chère. Comptez-vous vraiment lui confier la gestion de la société? C'est quoi ce genre de question? Ouais, parce que j'ai observé toutes les deux, Alia et Anaya, elles sont innates. Ouais, elles sont. Pardon. Qui est Inat? De toute évidence, mon mec. Ouais. Le seul fils est le premier enfant. Il est inutile de faire une compétition. Confiez-lui la société. Et toi, à part consommer tout ce qui est comestible, que sais-tu faire d'autre? Que sais-tu faire? Olivia, je crois que tu dois suivre ta langue. Calme-toi. C'est compris, bébé. Il y aura un débat dans cette maison lundi de la semaine prochaine.
Quel débat? Un débat? Oui. Je ne comprends pas. À titre de rappel, c'est... Je ferai un bon PDG. Les débatteurs Hassan, Aliya et Anaya Garba. Et le dress code. Je comprends. Pour le débat professionnel. La semaine prochaine, merci. Ah, je suis une PDG. Le suis-je? Alors c'est comme ça que cette femme veut m'écarter de cette compétition. Avec un débat. J'ai jamais fait de débat de toute ma vie. Petite madame, je peux t'aider. M'aider en quoi? Pour le débat, non. Je sais qu'il y aura un débat et je suis de ton côté. Mmh. Ah bon? En quoi peux-tu m'aider? Quand j'étais au primaire, je faisais très bien les débats. J'étais devenue la star de l'école. En débat. Mmh. Attends que je te montre. Tu te tiens comme ceci. Tu dis « Bonjour mesdames et messieurs. Mon nom est... » Tu donnes ton nom. Ensuite, je suis là pour soutenir la notion qui dit. Et là, tu dis le... Vas-tu te taire? Nya, 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 nya. Attends. Dans quelle université es-tu allée? Je n'ai pas fait l'université. Tu n'es pas allée à l'université? Ok. Dans quel lycée es-tu allée? Je me suis arrêtée à l'école primaire. Donc tu t'es arrêtée à l'école primaire? Tu n'es allée qu'à l'école primaire et tu y as le toupet de te tenir devant moi pour me dire que tu veux m'apprendre à faire un débat. T'es une folle alliée, tu le sais. Oui, ma tante au village, elle me le disait. Je vois. Parce que là, c'est une confirmation. Idiote. Je suis dépassée. Regardez, celle-là, ce n'est que la nourriture qu'elle a. Elle vient me parler de... Je ne te blâme pas. Mais ton beau mec t'a emmené dans cette maison. C'est moi qui vais te l'arracher. Ta sœur me tape vraiment sur le système. Elle pense pouvoir m'insulter parce que j'ai grandi à Londres. Ouais, elle oublie que c'est du sang nigérian qui coule en moi. Oui. Bébé, tu ne dis rien. Parce que j'ai de plus gros problèmes à gérer en ce moment. Le débat? Oui, bien sûr. Voyons. Tu sais que t'as bien plus de chance que ces filles. Regarde-toi. Non seulement t'es le fils unique, t'as des diplômes. Ouais. Aliya a peut-être réussi à avoir une licence, de même que Anaya. Mais regarde-toi, t'as 3 diplômes. Crois-moi lorsque je te dis qu'elle ne t'arrive même pas à la cheville. Ouais. Mais bébé, ce n'est pas ça le problème. Si Madame Garba va diriger le débat, alors nous savons clairement qui va l'emporter. Ouais. Ce n'est pas un problème. On peut aussi changer notre stratégie, tu sais. Trouver une nouvelle, tu vois. Et qu'est-ce que ce sera? Attends. Enlève ça. Maman, tu vas rester comme ça dans ton lit et pourtant tu as une grande tâche à accomplir. Je ne sais pas de quoi tu parles. Anaya, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est une grande opportunité. Quelle grande opportunité?
Maman, tu vas tout pis que je dirige la société. Et ta seule solution, c'est d'organiser un débat. Mais c'est ce qui m'est venu en tête. En plus, tu nous demandes de nous habiller en professionnel. Mais sérieux, ça m'a trop bluffé. Et tu as même donné un thème. Je ferai un bon PDG. Tout ça me disqualifie automatiquement. Hein? Pendant que les autres sont prêts à prendre cette entreprise en main. Et ce n'est que si tu la diriges que tu pourras rester ici. Je ne veux pas être ici, maman. J'ai envie de poursuivre ma carrière. Maman, la musique, c'est ma passion. Hanaya, tu n'as aucun talent. Tu paies juste ton temps. Écoute, écoute ce que je voulais te dire. Merci, c'est que Hanaya, écoute-moi. Hanaya, je suis en train de te parler. Hanaya! Petite madame, je salue. Hey, Fonke, viens ici. J'ai une question pour toi. Ok. Penses-tu que j'ai du talent? Est-ce celui que tu as découvert? Ou celui que tu n'as pas encore découvert? Oh! Petite madame, tu veux entendre la vérité ou tu veux entendre... La vérité. Je veux entendre la vérité. Suis-je bien dans ce que je fais? Ou je me débrouille juste? Petite madame, la réponse est dans la question que tu viens de poser. Ah! Donc, la vérité, c'est que tu ne sais pas rapper du tout. Tu sais, c'est juste par la grâce de Dieu que je me retiens souvent. Chaque fois que je t'entends rapper, ça me donne l'envie d'être chiffré. Cite, madame, écoute, et essaye de t'enregistrer toi-même, non? Mets ta caméra. Ah! On dirait que tu attendais ça pour m'insulter depuis, n'est-ce pas? Dégage de ma vue. C'est donc comme ça, hein? Je passais ma route, t'as dit que tu voulais la vérité. Maintenant que je te l'ai dit, tu ne veux plus l'entendre. Tu trouves que je t'ai su? Non, je t'ai dit la vérité. J'arrive, juste une seconde, ok. Salut. Salut. J'espère que je n'ai rien interrompu. Oh non, oh, on était juste... Oh, bien sûr que si. Madame, calme-toi, non? Je peux hériter de tout. Tu veux vraiment jouer ça? J'ai juste une question pour toi. D'accord, je t'écoute. Crois-tu que je devrais poursuivre ma carrière musicale, je veux dire? Penses-tu que j'ai du talent pour ça? Bien sûr, Hanaya, tu as plein de talent pour ça. Quelqu'un t'a dit le contraire? Eh bien, écoute, Hanaya, ne laisse personne te décourager. Si tu as un rêve, alors tu dois le poursuivre, d'accord? Oui. Merci. Merci, Azan. Merci. Je ne sais pas à quel point ça me fait du bien. Merci beaucoup. Je t'en prie, je te suis le meilleur, Hanaya. Merci. De rien. Bye. Bye. Bébé, tu sais que tu viens de lui mentir? Eh bien, j'ai fait ce que j'ai fait pour qu'elle oublie le débat. T'es méchant, viens là. Viva garçon. Thank you.
Est-ce que tu vas bien? Oh moi! Hey! C'est ce beau mec que Tatalia se tape? Ha! Je savais! Elle a envoûté! Elle a fait la magie pour avoir ce mec! Hey! Peu importe! Un jour, je l'aurai! Un jour, je vais réussir à mettre ce beau mec dans mon lit! Je suis Aliyah Garba. Je mérite d'être PDG de cette compagnie. Parce que j'ai étudié. Ok. Je suis Aliyah Garba. Aliyah. Ok. Je mérite d'être PDG de cette compagnie parce que mon père avait l'habitude. Puis-je te dire la première étape pour être professionnel? Tu dois être en forme mentalement, psychologiquement, émotionnellement. Tu dois être élégante, pleine d'assurance. Charismatique, gracieuse. Aliyah, t'inquiète, mais je suis sûr que ta belle-mère a inclus l'habillement professionnel car elle veut te piéger avec ça. Je suis navrée de vous décevoir, toi et ma belle-mère, mais je vais engager un coach pour m'aider à être sexy. Écoute, Aliyah, il ne s'agit pas là d'un débat sur un coach sportif. Écoute, tu dois être pleine d'assurance. Tu dois croire en toi-même. Je veux dire, c'est tout ce qui importe. Avec ça, je t'assure que tu pourras parler n'importe où. Ok? Écoute, demain, on ira au gym et je t'aiderai à faire l'exercice. Hein? Attends. Pourquoi es-tu même ici? Je veux dire, pourquoi es-tu encore ici? Personne ne fait plus désormais attention à ta présence. Alors, pourquoi es-tu là? Eh bien, je suis là pour Funke. Funke? Écoute, on commence demain. On ira au gym et je t'aiderai à faire de l'exercice. Je suis pas intéressée. Je mérite d'être PDG parce que... Quelle tête de mule. Mon père... Parce que je suis l'enfant légitime de mon père. Oh. Je... Je glos. Quand je... Dans le flot. Quand je suis dans le flot. Tout le monde se met à fuir. Ça y est, j'ai capté. Hey! Je glow comme Cardi B, même si une tuerie comme Bumblebee. Quand je flow, tout le monde se met à fuir! Oui, j'adore. Je veux être une big comme Cardi B. Je brille. Pourquoi? Attends, je brille comme une chill. Mes potes et moi. On va s'amuser comme des quilles. Ha! Je vais piquer une tête. Ha! Parce que je suis... Ils pensent faire de la musique. Les tonneaux vides font trop de bruit. Ils pensent faire de la musique. Les tonneaux vides font trop de bruit. Ils pensent faire de la musique. Que le tonnerre te frappe.
Et... Tata Alia, tu es encore allée courir? Tata Alia, tu es encore allée au sport? Et tu te réveilles le matin, tu vas courir. Funke, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Salut, bonjour, boss. Funke, je n'ai pas ton temps ce matin. Si tu sais ce qui est bien pour toi, respecte-toi et va à l'intérieur. Je salue, boss. Ça va? Tu ferais mieux de t'émuler tes oignons. Moi? M'occuper de mes affaires. Hé! Hé! Cette guerre est grave, hein? Est-ce forcé d'être PDG? Mais laisse la place à ton frère Azam, non? Ah, ah! Un sage suffit pour une parole, hein? Un sage? Une parole suffit pour un sage? Ah, peu importe, Tata laisse cela pour Hassan. Regardez qui on a là. Pitié, comme tu peux le voir, je suis en train de faire un truc important. C'est très évident. La nourriture est ta passion. Oui. La nourriture, c'est ma passion. La nourriture est ma seule famille et tout ce que j'ai. Donc? Et pourquoi tu ne t'adonnes pas à ta passion? Écoute, Alia, es-tu capable de te réveiller à 6 heures du matin pour aller travailler? Ou bien passer toute une journée sans manger? Autant dis-moi, comment comptes-tu t'adapter à l'environnement professionnel ou diriger une entreprise? Bien, voilà ce qui va se passer. Alia, quand je deviendrai PDG de l'entreprise, je te donnerai peut-être quelque part pour que tu t'ouvres un restaurant, tu comprends? Ainsi, tu pourras manger autant que tu voudras, d'accord? Pense-y. Je ne suis peut-être pas bon que la nourriture. Mais je peux occuper une petite place que la nourriture occupe dans ta vie. Je veux dire, je vais être ton ami. Quelqu'un en qui tu pourras toujours te confier. Et là, ça suffit. Et désormais sous régime. Mmh? Oui. Bonjour, Madame Garba. Qu'est-ce que c'est? Un business plan. Un business plan? Oui. Alors, comme ça, quand l'entreprise me sera confiée, j'aurai déjà établi un plan. Je compte développer l'entreprise et augmenter les revenus. Ah. Tu sais ce que cela nous rapportera dans la famille. Ah. Hassan, je sais que c'est bon, car ça vient de toi. Mais... pourquoi crois-tu que tu seras choisi? En tout cas, merci beaucoup pour ça. La personne qui sera élue aura certainement besoin du business plan. Mon propre plan. Quelqu'un d'autre va l'exécuter. Madame Garba, si l'entreprise ne m'est pas confiée,
Ce plan ne sera jamais exécuté. Passe une très bonne journée. Funky. Funky, Funky. Regarde-toi, mon ami chéri. La meilleure cuisinière du monde entier. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Ah, quoi? C'est à moi que tu t'adresses? Ouais. Moi? Ouais. Ami chéri? Bien sûr. Il y a du feu sur la montagne. Voyons. Quel feu, je t'admire juste. Écoute, je t'admire juste. Le fait que tu te lèves tout le matin pour faire manger à tout le monde. Écoute, j'admire ton esprit, t'es si travailleuse. Et tu sais, j'admire juste comment... Pardon. Arrête de me flatter. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je suis sûre que tu veux quelque chose. Donc cette chose que tu veux, hein? Vas-y, parle. Ok, c'est bon, ouais. J'ai besoin de ton aide. Azan et moi voulons que tu fasses un truc pour nous. J'ai bien dit. Je ne vais pas t'aider. Pourquoi? Parce que tu n'en mérites pas. On va te payer. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Écoute, je veux dormir. Alia, tu peux pas encore dormir. On ne doit pas refaire ce discours. Ah non, parfait ou pas. La personne qui va gagner ce débat va le gagner. Madame Garba sait déjà à qui elle va donner le poste. Elle sait déjà à qui elle va donner la société. Alors, oublie tout ça. Peut-être que Hassan a raison. Je n'ai qu'à ouvrir un restaurant. Tu sais quel est ton problème? Tu crois que tu n'es pas assez bien. Donc, tu regardes tous les autres. Et tu crois qu'ils sont meilleurs que toi. Et bah, c'est faux. D'accord? Écoute, même si ça ne t'intéresse plus de diriger l'entreprise, ne leur laisse pas croire que parce qu'une personne t'a découragé, tu vas laisser tomber la bataille. Écoute, le débat, c'est dans 2 jours. Ok? J'ai besoin que tu suives ton cœur. Et quelle que soit la décision que tu vas prendre, je serai là à tes côtés. Qui est-ce? C'est moi. Vas-y, entre. Funky, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas Funky. C'est Dieu qui m'envoie vers toi. Felicia Garba. Tu viens de m'appeler par mon nom? C'est Dieu qui t'appelle. Ne l'oublie pas. Écoute la voix du Seigneur. Tu vois cette entreprise que tu veux donner à quelqu'un? Elle est à Hassan. Tu la cèdes à une autre personne? Tu regretteras. Depuis quand Dieu parle à travers toi? Dieu parle toutes les langues. Funky, sors de ma chambre. Felicia Garba, tu ne peux pas envoyer Dieu de ta chambre. Je ne peux pas chasser Dieu. Je me dois d'écouter sa parole, n'est-ce pas? Oui. Sors de ma chambre. Madame. Madame, je m'amusais juste et vous me giflez de cette manière. Non. J'espère que cette gifle t'a rendu lucide. Madame, c'est Dieu qui m'a envoyé vous parler. Tu continues à parler, n'est-ce pas? Tu vas marcher avec plein de charisme et d'assurance parce que tu sais ce que tu apportes à la table. Tu commences par te présenter comme le premier enfant et le fils unique de cette famille. Après cela,
tu les présentes tes qualifications académiques. Ce qui est bien, c'est que ton domaine d'études est lié au business. Et fais-moi confiance, bébé. C'est ça qui fait la différence. Car il n'y a pas de temps. Voilà. Yo, mes niggas, pétons le champagne. Faisons la teuf dans le monde entier, car nous sommes les plus gros fêtards du monde entier. Oui, allons dans le monde entier. Brûlons cette putain de thune. Yo, 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 yo! Yo, mes niggas, yo! Ah! Maman, c'est quoi ça? Si tu m'appelles encore, je vais te donner une gifle qui va régler ton cerveau. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tes frères sont dans leur chambre à se préparer pour le débat. Et toi, regarde-toi. Dis-moi, maman. Si je me place devant tout le monde, prouver que je suis PDG, donne-moi juste une raison. Une raison que je pourrais avancer. Il y a plein de choses que tu peux dire. Comme quoi? Comme je suis... Je... Donne-moi juste une raison, maman. Laisse-moi tranquille, maman. Anaya! Laisse-moi tranquille. Anaya! Seigneur! Qu'ai-je fait? Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Oh! Qu'ai-je fait? Anaya! Bonjour, madame. Bonjour, Alia. Tu vas courir seule? Oui, Diedem ne se sent pas bien. Alia? Alia frappera-t-elle à sa propre porte? Madame Garba, bonjour. Surpris de me voir? Ouais, certainement, ouais. Je te comprends. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. Allez-y. J'ai grandi sans parents. Ma vie à cette époque est un véritable enfer. Je survivais en travaillant comme ménagère dans les maisons des gens. Et en retour, ils me donnaient à manger. Je suis allée à l'école publique, qui était gratuite jusqu'au secondaire. Après cela, j'ai perdu espoir d'aller à l'université. Parce que je ne pouvais pas payer les frais. J'ai rencontré une fille qui m'a introduit dans le monde de la nuit. Et c'est là que j'avais rencontré M. Gab. Il a su que j'étais différente des autres prostituées. Et il a décidé d'écouter mon histoire. Après cela, il a, lui seul, sponsorisé toutes mes études universitaires. Pour dire vrai, je savais qu'il était marié avant de tomber enceinte. Mais je me suis dit que le sexe était le seul moyen pour moi de lui rembourser. Pardon, madame, navré de vous couper ainsi, mais pourquoi vous me racontez soudainement tout ça? S'il te plaît,
Je veux une belle vie pour ma fille. Je veux une belle vie pour ma fille. Je ne veux pas qu'elle souffre. Je l'aime beaucoup. S'il te plaît, écoutez, je suis vraiment navré, mais je ne vois toujours pas en quoi ça me concerne. S'il te plaît, mon fils. Je veux que tu décourages, Sadia. Je veux qu'elle laisse cette compétition, s'il te plaît. Laisse ça pour ma fille, je t'en prie. Que se passe-t-il ? Ce n'est pas ce que tu crois, ma fille. Alia, je croyais que tu étais allée courir. J'ai changé d'avis. Eh bien, quant à ce que tu as vu, elle essayait je simplement... Je m'en fiche. Non, sérieux, Alia, elle essayait juste... Non, 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 s'il te plaît, diminue ça. S'il te plaît, diminue ça. Enlève encore. Ah, petite madame. T'as le palu ou bien... Hey. Un problème? Non, rien, rien, rien. Non, ok. Je constate que quelqu'un essaye de perdre du poids. Et je constate que quelqu'un n'arrive pas à se mêler de ses oignons. Pour ton info, perdre du poids ne te fera pas devenir PDG. Ouais, t'es déjà grasse et le débat c'est demain. En parlant du débat, j'ai décidé de le renvoyer. Pourquoi? Si quelqu'un doit me demander le pourquoi, c'est pas toi, Olivia. Mais Madame Garba, j'avais déjà préparé mon discours. Est-ce que c'est à cause d'Anaya? Cela n'a rien à voir avec moi. Si le débat doit avoir lieu demain, ça ne sera même pas en ta faveur. Et non plus en sa faveur. Pourquoi ce débat lorsqu'on sait déjà qui va finir par gagner? Olivia. Oui. C'est une affaire de famille. Je m'en cogne. Et aux dernières nouvelles, tu n'es pas l'une d'entre nous. Je commence à croire qu'elle est le porte-parole d'Azan. Je n'ai pas dit que... Alia, Alia, reviens. Je ne l'ai pas annulé. Alia. Je l'ai juste renvoyé. Alia. Hé, Alia, calme-toi. Calme-toi. Ok? Diden, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas comment je me sens, Diden. Tu m'ignores. J'agis comme si je vais bien, mais à l'intérieur, au fond de moi, je ne vais pas bien. C'était juste moi. Moi, ma mère. Et mon père, avant que Zan, Anaya et sa mère entrent dans le tableau. Ma mère est morte d'une crise cardiaque. Ensuite, mon père a épousé la mère de sa fille. Il est mort. Et depuis lors, Diden, ma vie n'a plus jamais été la même. Mais j'essaye tellement de rester forte. Parce que je suis toute seule. Je suis tout ce que j'aime. Relax, du calme, Alia.
aussi drôle que ça puisse être. La nourriture et mon ours ont toujours été ma seule source de bonheur. Quand je suis entrée en dépression, j'ai commencé à manger, à trop manger, et j'ai pris beaucoup de poids. Toutes ces injures et paroles sur mon corps du fait que je sois grasse et... tout ça me détruit. Mais j'agis comme si de rien n'était. Je le sais, au fond de moi. Je sais que je ne suis pas en surpoids et que je ne suis pas grasse. Je sais que je ne suis pas aussi terrible. C'est bon, arrête. Arrête, Alia. Dis-moi. Non, non, non. Tu es parfaite telle que tu es. Écoute, je vais être honnête avec toi. Quand Ila m'a dit qu'elle voulait que je joue le rôle du mec de son ami, j'ai refusé. J'ai refusé parce que c'était totalement ridicule. Un mec comme moi, une figure publique, venait faire semblant d'être le petit ami d'une fille. J'ai refusé. Ensuite, elle m'a encore appelé, me demandant une faveur. Cette fois, je lui ai dit de me raconter absolument tout. Elle m'a raconté toute l'histoire. Et en vérité, je connais toute l'histoire. C'est pour ça que je suis là. Je suis là pour toi. Toutes ces injures et tout le reste, je suis là pour t'aider à le surmonter. D'accord? Écoute, je ne vais pas prétendre être ton mec. Mais je veux être cet ami en qui tu peux te confier. Écoute, Alia, promets-moi. Promets-moi que si je te prête une oreille attentive et une épaule pour pleurer, tu seras plus sûr de toi-même. Et que par-dessus tout, tu t'aimeras d'abord toi-même. Promets-le-moi. Je vais essayer. Non. Je veux pas que tu essaies. Ok? Je veux que toi, que tu sois plus sûr de toi-même. Que tu t'aimes d'abord. Que tu crois en toi. Promets-moi. Je le promets. Viens là. Alia va me prendre ce beau mec comme un jeu. Nawao. Pourtant, je suis une jolie et sexy fille. Je fais saliver les hommes. Hein? Mais à vrai dire, hein, ce gars-là, il n'a pas de goût, hein? Et toutes ces célébrités. Hein? Regarde-moi. Sexy et belle fille. Tata Alia. Je sais quoi faire. Je sais quoi faire. Tu vois cette belle célébrité que t'as emmenée ici? Je vais l'arracher entre tes mains. Tata Alia, tu n'imagines pas comment arracher
le mec d'autrui. Ah. Mais c'est quel genre de résultat ça, hein? Ouais. Desmond. Pas de problème. J'essaierai au bureau d'un jour à l'autre. Ouais. Bon, tu passes une bonne nuit, d'accord? S'il te plaît, est-ce qu'on regarde le même film? Oui, non. Et qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ella, pourquoi est-ce que tu me fais ça, non? Hein? Pourquoi fais-tu comme si tu ne me voyais pas, s'il me plaît? Je suis désolé que je t'ai poussé comme ça, mais est-ce que tu réalises que tu dragues le mec de ta patronne? Mais calme-toi, non? Ne suis-je pas plus sexy que Tata Alia? Eh bien, tu es peut-être sexy pour cet homme, mais pas pour moi. S'il te plaît, tu me regardes. Tu me regardes comme ça. Attends, s'il te plaît. T'es pas censée être la ménagère de la maison? Et puis? T'es trop familière pour une ménagère. Et comment tu peux même penser à draguer le mec de ta patronne? Je comprends pas. N'as-tu pas peur d'être virée pour ça? Moi? Fouquet. Virée? Personne ne peut me virer de cette maison. Si ce n'était pas... J'aimais le nom de mon père, je l'aurais changé pour devenir Garba. Je suis devenue l'une d'eux. Vraiment? Écoute ceci. Avant que mon feu patron, Chief Garba, ne meure, quand il était malade, c'est moi qui prenais soin de lui. Je prenais vraiment soin de lui. Et il leur a dit de prendre très très bien soin de moi. Que je ne dois jamais souffrir du tout. Waouh! Et c'est pour ça que tu te comportes mal. S'il te plaît, occupe-toi de là, je vais regarder mon film. C'est parce que je t'aime bien. Sexy. Non. Alia, tu y as crié. Ce rôle, ta leur ne gâche pas tout. Ce gars n'est qu'un playboy. Ne le prends pas au sérieux. Oh, voyons, Alia. Crois-tu qu'une célébrité comme Jaden peut te regarder de façon romantique? Oh, arrête. Cesse de rêver. Il essaye juste de t'aider et c'est tout.
que des personnages dans cette maison. First I must set my heart on you. It's like it was coming to an end. Cause looking at you, it's like I'm looking at an angel. First I must set my eyes on you. It's like it was coming to an end. Cause looking at you, it's like I'm looking at an angel. Oh, I wish I'm your shadow. Go with you to places. Stay with you when lonely. I wish I'm your shadow. Go with you to places. Stay with you when lonely. S'il vous plaît, je veux regarder un novella. De grâce, est-ce qu'on peut regarder un film américain à la place? Je veux regarder une série coréenne. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut regarder? Ziwad? Ah, j'ai parlé en premier haut. D'accord. Dans ce cas, je pense qu'on a tous joué à un jeu. Et de quel jeu tu parles? Je suis sûre que c'est un jeu que vous connaissez tous, Action ou Vérité. Oui, n'importe quoi. Je sais qu'on le connaît tous. S'il te plaît, donne-moi une bouteille vide. Ok. Ils vont aimer ça, c'est sûr. Ils vont adorer. Papa Dieu, je sais que c'est une opportunité que tu m'as spécialement donnée aujourd'hui. Alors, je te supplie, s'il te plaît, ne permets pas que cette opportunité m'échappe. Parce que tu vois ce beau garçon que Tata Alia a amené ici. Je sais que tu es capable de toutes choses, comme j'entends dire. Mon Dieu, je te supplie, fais-le pour moi. Si tu fais cela pour moi, je prendrai tout mon salaire, le salaire de ce mois. Je le donnerai en dîme pour toi. Funke, t'es où? On t'attend. Dieu, je t'en prie. Je promets que je ne ferai plus de mauvaises choses. Tout ce que tu me diras, je le ferai. Je t'en prie, que ce gars me regarde. Funke, j'arrive. Hé! Mon Dieu, pardon, pardon. Alors, les gars, je vais d'abord tourner la bouteille et... Quiconque la bouteille va pointer va répondre à une question ou un défi que je dirai. Action, vérité. Action. En tout cas, je n'ai pas d'action pour toi, donc je vais te poser une question. Es-tu amoureuse de quelqu'un? Oui. Vraiment? De lui. Oh. D'accord. C'est ton tour, Funke. Tourne la bouteille. Je vais choisir Action. Parfait. Alors, ce que tu vas choisir restera ici, entre nous. Tu peux faire tout ce que tu voudras. C'est drôle. La beauté, dit-on, est toujours relative à chacun. Pour moi, tu es magnifique. Okay.
Qu'est-ce que tu fais? Oh, mon Dieu! Oh. C'est si mignon! Oh, fuck it! L'amour, c'est la magie. Ça me fait mal, oh. Ça me fait mal, oh. Ça me fait mal, ça me fait mal. Ça me fait mal, oh. Ça me fait mal, oh. Ça me fait mal. Hey, toi, que fais-tu ici? Sais-tu quelle heure il est? N'es-tu pas censé cuisiner à cette heure? Que personne ne me dérange. Oh. J'ai le cœur brisé. J'ai le cœur brisé. Hé. Hey. Désolée, oh. Si tu ne fais pas dans cette cuisine maintenant. Fais cuisiner, madame. Ah, mon Dieu, je t'ai supplié. Ah. Ça me fait trop mal. Ça me fait mal. C'est fini. Je vais chercher une autre. Je ne cuisine rien du tout aujourd'hui. Je ne cuisine rien du tout. Je ne cuisine rien. Bonjour, il est temps d'aller courir. Je n'en ai pas envie. Pourquoi? Parce que je n'en ai pas envie. Écoute, Alia, je suis désolé si c'est à propos de la nuit dernière. Peut-être que j'ai dépassé les bornes, je suis désolé. Non, Jaden, t'as pas besoin de t'excuser. J'ai compris. Tu as fait ce que tu as fait parce que... T'essayais de m'épargner la honte. Je veux dire, elle croit que tu es mon petit ami. Et... ne pas me trouver attirante aurait été une honte. Alia, écoute... Non, Jaden. Si tu veux mon avis, je trouve que tu dois t'en aller. J'apprécie tes efforts, mais il est temps que tu partes. Écoute, je vais partir, d'accord? Mais pas avant de te voir en meilleure forme. Tu ne me dois plus rien du tout. Je ne suis plus à l'aise en ta présence et je suis sûre que tu as une vie à vivre. Laisse-moi tranquille. Maman, est-ce qu'on peut discuter?
Écoute, maman. Qu'est-ce que papa aurait voulu? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Donner des responsabilités à ses enfants ou les laisser poursuivre leurs rêves. Anaya, des rêves? Tu parles des rêves? Pourquoi ton rêve, c'est de devenir rappeuse? Maman, je ne suis peut-être pas talentueuse comme tu le dis. Je ne suis peut-être pas bonne dans ce que je fais. Mais c'est là que je trouve mon vrai bonheur, maman. Qu'en est-il de moi? Qu'est-ce que je gagne? Toi, pour qui dirigera la société, maman? Cette personne ne fait que représenter la famille Garba. La société appartiendra toujours à la famille, maman. C'est comme si on s'est retrouvé en famille depuis longtemps. Mais pour la première fois, maman, pour la première fois, je me soucie d'Alia. Peu importe ce qui l'a rendu peu présentable dans cette famille, c'est difficile pour elle. Papa n'a pas pu nous unir quand il était en vie. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Merci, mon Dieu. C'est une pensée. Ah, parti trop tôt. C'est quoi exactement ton problème, jeune fille? Hein? Moi, jeune fille? Ah, comme ça, tu as une grande gueule. Beau gosse comme toi, on t'a utilisé comme un chiffon. Attends, madame t'a payé combien? Ah, ça allait m'étonner. Comment cette petite madame a une célébrité comme toi? Je pensais que tu n'avais pas bon goût. Tu veux entendre la vérité? Hein? Un homme avec tous ses sens choisirait Alia 1 milliard de fois par rapport à toi. Ha! Hey! Belle fille comme moi. On fantasme sur moi. Tu as perdu le temps d'échange de mots avec Allez! Toi. Allez! Espèce de gigolo. Idiot. Allez, va-t'en. Hé, hey, il est là, quoi de neuf? Est-ce vrai? Quoi? Que t'as chassé Gisèle de chez toi. C'est ce qu'il t'a dit? Eh bien, j'ai dû le faire pour mon propre bien. Et qu'en est-il de lui? Je ne comprends pas, que veux-tu dire? Lui as-tu parlé de ce que tu ressens? Non! Pourquoi faire ça? Si tu l'avais fait, tu aurais su que le sentiment est partagé. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Jason t'aime, Alia. Bien. Allons droit au but de la réunion d'aujourd'hui.
Anaya, commence. Je déclare forfait. Que le meilleur gagne. Ok. Hassan, à toi la parole. S'il te plaît, va droit au but. Ça, c'est mon bébé. T'as déjà gagné. Merci. Je ferai un bon PDG. En effet, je ferai un très bon PDG. Je suis Hassan Garba, le seul et l'unique fils du défunt Chief Garba. Vous savez, dans l'idéal, automatiquement, le poste me serait revenu. Mais vous savez, Madame Garba voulait que nous débattions sur ça. Pour prouver notre valeur. Et je suis là pour ça. Je suis diplômé d'une licence en gestion des entreprises. J'ai un master en intelligence économique et analytique. J'ai également un tas de qualifications en gestion des projets et en communication des entreprises. Contrairement à mes deux autres concurrentes qui ne peuvent se vanter que d'avoir une simple licence. Dois-je en dire plus? Non, bébé. Je ne crois pas non plus. Madame Garba, dis-moi, choisirais-tu quelqu'un qui n'a aucune expérience dans les affaires? Quelqu'un qui trompe sa propre famille en amenant un étranger dans cette maison? Elle n'est vraiment pas digne de confiance. Pense-y. Ça, c'est mon bébé. T'es brillant. Allez. À toi. Il y a peu, j'avais préparé quelques arguments à présenter. Mais à présent, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Et je me fiche vraiment de gagner ou pas. Hassan, j'ai quelques questions pour toi. Vas-y. Ta mère t'a conçu avec mon père quand il n'avait rien. Puis elle t'a amené loin de lui parce qu'il n'avait rien et il n'était personne. Ensuite, soudainement, elle t'a ramené. Car il est devenu un homme riche. Qu'en es-tu la différence entre ta mère et la mienne? Non, dis-moi. Ma mère a épousé mon père quand il n'avait rien. Quand il n'était personne. Et elle est restée avec lui. Elle a bâti avec lui. J'étais là quand tout ça a commencé. On a souffert ensemble. On a évolué ensemble. On a bâti ensemble. Et on a réussi. Ta maman, elle ne t'aurait pas ramené. Si mon père n'était pas devenu riche, jusque-là, il t'a accepté. Il t'a pris chez lui. Il a payé pour chacune des qualifications académiques dont tu te vantes aujourd'hui. Hassan, il te donnait tout ce que tu voulais. Il a toujours été là pour toi. Et quand il a eu besoin de toi, où étais-tu? Mon père fut allaité pendant des années. Et pas un seul jour, tu n'es venu le voir. Et quand il est mort,
Tu as prétendu n'avoir pas pu venir à ses obsèques. Et maintenant, il est temps que sa société soit confiée à quelqu'un. Et te voilà. Tu as fait un long voyage jusqu'au Nigeria. Tu as pris 2 tickets. Hassan, j'ai une autre question pour toi. À part le nom de cette société, que sais-tu d'autre sur cette société? Je n'ai peut-être pas les qualifications académiques dont tu te tagues. Mais il y a une chose sur laquelle je te bats. L'expérience. Tu ne me faut pas en expérience. Et tout le monde ici le sait. Hassan, j'ai toujours été là. Depuis que cette société a été bâtie. Je sais comment les choses fonctionnent ici. J'étais là quand mon père a bâti cette compagnie. Même les années où Madame Garba a pris le relais, j'étais là avec elle. Je sais comment tout fonctionne. Alors, dis-moi, qui serait le meilleur PDG? Ayant écouté les deux parties, je réalise que ce débat n'était pas censé avoir lieu. Et j'aimerais m'excuser auprès de 2 personnes. Anaya, je suis désolée. Il m'a fallu tout ce temps pour réaliser qu'en réalité, le bonheur est capital. Et de tout mon cœur, je te soutiendrai dans ton bonheur désormais. Merci, maman. Aliya, c'est si triste qu'on était si proches, mais très distants. Je ne suis peut-être pas ta mère biologique. Mais s'il te plaît, de grâce, je te demande de m'appeler maman, désormais. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît. Je suis vraiment désolée pour tous les problèmes, pour toutes les difficultés que je t'ai causées, qui t'ont fait avoir si peu d'estime. C'est passé, Madame Gay. C'est passé, maman. Hassan, t'es le premier-né. S'il y a une chose que ton père a toujours voulu, c'est que toi, en tant que premier-né, tu unis cette famille. Oui, vous avez des différentes mères, mais vous êtes des frères. Et il aurait voulu que tu unis cette famille pour que vous soyez un. Maintenant,
concernant l'entreprise, tout le monde aura des parts dans la société. Mais il n'y a qu'une seule personne pour diriger les affaires de l'entreprise. Une personne pour s'occuper de la société. Et cette personne sera... Ali. Bébé, je me casse ici. Félicitations, je le mérite vraiment. Félicitations. C'est vrai? Mon Dieu! Merci! 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 Merci, maman! Maman, désolée, désolée! Merci, maman! Oui. Madame la PDG, tu as un visiteur. Jaden. J'ai appris que tu as gagné le débat. Je ne sais pas par où commencer. Pour te remercier, te rencontrer ne fut pas une coïncidence. Ce fut une bénédiction. Ella m'a appelé. Alia, je sais que tu as dû découvrir que je n'ai pas payé Jaden. Il a offert de t'aider sans être payé. Mais j'avais besoin de cet argent. Ella, ce n'est pas pour ça que je t'appelle maintenant. Jaden m'a dit qu'il n'est pas parti de chez toi depuis le premier jour. Que se passe-t-il? Oui, Madame Garba lui a demandé de rester. Oh, vraiment? Alors quoi? Et là, je crois que je suis amoureuse de Jaden. Allô? Tu es amoureuse de qui? Comment? Je ne sais pas. J'ignore comment c'est arrivé. Je ne sais pas, Ella. Je ne sais pas. Et qu'en est-il de lui? Que ressent-il pour toi? T'es folle. Pourquoi tu me poses ce genre de questions? Réponds juste à la question. Eh bien, si tu veux vraiment tout savoir, Ella, Elia me fait vraiment des effets depuis quelques jours. Tu l'aimes? Ouais, je l'aime. Qu'est-ce qui t'arrive, Jaden? Je te connais très bien. T'aimes les filles minces énormément. Eh bien, disons que... Alia est une exception. Waouh! Je suis sans voix. Le lui as-tu déjà dit? Non. Elle a créé une règle. Je ne dois pas tomber amoureux d'elle. Pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi toi, tu ne m'as rien dit? Eh bien, je voulais pas violer ta règle. Je ne voulais pas violer ma règle non plus. Mais les règles sont faites pour être violées. C'est vrai. Je t'aime, Alia. Je t'aime moi aussi, Jaden. Oh, l'amour est beau.
s'en va. T'as très bien fait. Ah ouais, bien sûr. Je te soutiens, mon amour. Merci, bébé. Hassan, je vois que tu t'en vas déjà. Si tôt? Ouais, on n'a plus rien à foutre ici. Olivia, serais-tu restée si la société était remise à Hassan? Eh bien, si ça avait été le cas, on serait retourné aux États-Unis, faire les arrangements nécessaires et revenir au Nigeria. Peut-être devriez-vous faire ça. Pourquoi? Hassan, le souhait de ton défunt père avant qu'il ne meure était d'ouvrir une branche à Abuja, mais malheureusement il n'a pas pu. Quand tu es venu me voir avec ton business plan, j'ai trouvé qu'il était intéressant. Alors pourquoi ne pas donner à un génie intellectuel une opportunité comme celle-ci? Alors Hassan, aimerais-tu diriger la branche d'Abuja? Oui. Oui. On accepte. Oh mon Dieu. Madame Ngarba, tu sais, je sais que je voulais avoir une entreprise à moi. Tu sais, des idées fraîches, un nouvel esprit, de nouveaux plans. Ça serait juste parfait. Ok, je te soutiendrai. À une seule condition. Plus jamais, Madame Garba, mais maman. C'est tout? C'est tout? Juste ça. Maman! Maman! Merci, maman. Merci infiniment. Merci beaucoup. Mon fils, bienvenue dans la famille. Merci, madame. Merci beaucoup, maman. Je pense que nous devons fêter cela. Rien là, petit. C'est compris. Allez, c'est un bon fait. Je pense que ça mérite d'être Funky. Bienvenue dans la maison. Merci. Ouais. Maman. N'est-ce pas? À tout de suite. Bébé. Je suis d'accord, je suis pour. Okay. Alors suivez-moi et allons prendre... Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Give your thoughts the thoughts to weigh you down. We can believe that we can make it.
figure.